Yo tout le monde, c'est Pure Master et aujourd'hui dans la vidéo sur Fortnite, on va tout de suite découvrir les tout nouveaux skins Jujutsu Kaisen plus le retour sur Fortnite. Ça fait super longtemps que j'ai pas joué. Enfin, j'ai quand même joué un petit peu sur cette saison, je suis niveau 13, enfin j'ai fait 2-3 parties avec des amis, mais j'ai pas forcément fait attention aux nouveautés qu'il y avait, je me suis pas vraiment intéressé au jeu. Donc on va découvrir au fur et à mesure. Donc on a quand même des quêtes, donc vraiment je connais pas du tout. Fin de l'événement dans 13 jours, donc en vrai ça va briser la malédiction. Enfin, ceux qui regardent la série, je pense que eux, ils connaissent un peu les trucs. Moi, je sais même pas du tout comment eux ils s'appellent. Genre vraiment, j'y connais vraiment rien. Mais voilà. Donc, je pense qu'on peut débloquer ces skins gratuitement. Donc, en vrai, voir les quêtes. Ah ouais, d'accord. Ok. Donc, ah ouais, les autres trucs viennent au fur et à mesure. Donc, en vrai, ça va. Il y a quand même pas mal de choses à faire. Il y a vraiment. Ah ouais, attendez. Je sais pas du tout quoi ça correspond quoi. Je connais vraiment pas la série, j'ai vraiment pas regardé. Donc voilà. Donc après, niveau boutique d'objets, ça se trouve, il y a d'autres skins. Non mais d'accord, ok. Saruto Gojo. Je sais pas qui c'est. Pas que Nobara. Je sais même pas. Là, je trouve qu'ils viennent, elle. Enfin, je pense qu'ils sont ensemble. Oui, c'est sur la même ligne, donc c'est ensemble. Après, il y a vraiment d'autres choses, marteau, un petit sabre. Ça a rien à voir. Ok. Je me disais, c'était quoi ça? Attendez, pas 4-3. Ah ouais, qu'est-ce que. Ah ouais, mais ils sortent vraiment des skins. Ils ressemblent vraiment, genre, à tous ceux d'avant, quoi. Les packs à 3,99, ils se ressemblent de plus en plus. Ok. Donc, après, au niveau de la map. Pas s'il y a eu du nouveau. Attendez, je sais plus comment on fait pour voir la map. Enfin, bref, on va se lancer pour une game, on va voir ce que ça va donner. Surtout qu'il y a des nouvelles armes et tout. Enfin, j'ai testé un peu vite fait les nouvelles armes, mais on va voir ce qu'on peut faire en game avec autant de temps d'absence. Avant de se lancer justement sur la map, je tiens à vous dire, n'hésitez pas à vous abonner, liker les vidéos. On reprend le rythme des. S'habituer à s'abonner parce que vous êtes encore nombreux à ne pas être abonnés, à me suivre. Donc n'hésitez pas à vous abonner, franchement c'est gratuit. Et plus on est mieux, c'est pour la chaîne. N'hésitez pas à mettre un petit commentaire. C'est toujours mieux pour. Wouah, ça crache! Wesh. What the fuck? C'est toujours mieux pour le référencement de la chaîne. Bon, je suis arrivé ici, en vie quand même. Mais je me suis fait tirer dessus quand même par un mec. J'ai quand même réussi à le semer. Mais j'ai réussi à trouver le problème du pourquoi. C'est que bah, Nvidia avait mis tout. Fortnite en épique, du coup bah c'est pas assez puissant pour faire tourner Fortnite en épique, donc ça crache un peu. Et là j'ai trouvé ça s'appelle technique vaudou. Alors qu'est-ce que c'est? Je sais rien du tout. Attends, on va tisser sur le mur là. Ah ouais. Ah ouais, d'accord, ok. Je sais pas trop ce que ça fait, mais on verra bien en termes de dégâts. On va tester. On va tester, on va tester. Juste à côté quoi. Où il est? Non bah. Oh je l'ai vu, il est là, c'est bon, c'est mort. Oh c'est nul. Oh ça m'aide. Comment je le touche pas là? Mais non. Oh, dommage. Bon, on sait déjà que cette arme là est plus la merde là, le marteau là, je sais pas trop ce que c'est, mais franchement ça fait pas beaucoup de dégâts. Genre à toucher ça fait 20 et après 70. Donc franchement, c'est pas ouf. Ouais, donc du coup voilà, j'avais pas réussi tout à l'heure à trouver la map. Donc là du coup ouais, sur la map, on voit qu'il y a quand même un peu de trucs que je. Enfin, il y a vraiment tout que je connais pas, genre. La citadelle, bon moi ça je connais, ok. Mais genre, ça je connais aussi Mega City. Mais genre, là, la ville là. Creaky Compound là, je n'ai jamais vu. Justement, on va aller découvrir la ville. Et on verra bien ce que ça va donner. Si c'est un bon spawn ou si c'est vraiment nul à chier, on verra bien en fonction du spawn. Mais surtout, voilà. On va aller voir ce que ça donne. Bon, bah pour le coup, on est juste à côté. Donc on va voir si ça vaut le coup. Ça a l'air d'être un peu.
avec une sorte de brume un peu genre autour de la ville, on dirait c'est embrumé quoi. Comparé à là, vous voyez bien qu'il y a une différence quand même, donc voir si ça vaut le coup. On va essayer d'aller directement genre vers là, là les sortes de temples un peu ruines, voir ce que ça va donner. Franchement, en vrai, il n'y a pas tant de trucs que ça, hein. Il y a quoi? Il y a des bâtiments là et là. Après, le reste, c'est un peu chelou quoi. Wesh, il pleut? Ah ouais, il pleut tout dedans. J'ai jamais vu ça, tu vois. J'ai jamais vu. Ouais, ah non, ok, c'est là. Ok, donc il faut que j'aille ici parce que ouais, c'est ici que j'ai pas découvert. Qu'est-ce que ça va être? J'ai pas l'air d'avoir grand monde, j'entends personne. Interagir. Ok, d'accord, j'interagis avec un truc, je sais pas ce que ça fait. Donc pour le coup, cette arme-là, je l'avais déjà testé hors vidéo. C'est le boomerang là. En vrai, je trouve que c'est trop stylé. En vrai, ça, je vais le garder parce qu'en vrai, il y a moyen de faire un truc avec ça. Enfin, par contre, je sais pas à quelle distance il va, genre. Ah ouais, il va loin de fou. Hein. Vous pensez, on peut faire une skybase, essayer de faire top 1 avec le boomerang? Je pense en vrai c'est chaud, hein. Je pense qu'il ira pas jusqu'en bas, donc en vrai ça peut être chaud. Wesh, attendez, il y a eu un bruit de fou furieux. Il y a une sorte de lama qui a spawn. Regardez sur la... Ah ouais, là, wesh! C'est quoi? Ah, je pense avec... c'était avec la mise à jour du jeu Kaizen. Vas-y, faut qu'on fume. Wouah, sa mère, il m'a fait trop peur! Wouah, je l'avais pas entendu! Wouah! Il m'a fait trop peur, ouais, j'étais pas prêt, putain. Bon, du coup, petit retour sur Fortnite, une petite découverte des skins assez rapide, je pense que pas non plus grand chose à voir sur la mise à jour, quoi. Surtout par rapport aux skins. Des nouveaux skins, des nouveaux objets, voilà, quoi, comme d'habitude, rien d'exceptionnel. Donc bon, on va se laisser sur cette petite vidéo. Prochaine vidéo maintenant, c'est. Merde, c'est mardi, donc voilà. Ensuite, il y a les lives sur Kick. Enfin, je verrai si je vais faire du Kick ou du YouTube. Ça dépend en fonction de mes envies. Peut-être que je ferai un peu des deux. Donc voilà, surtout n'hésitez pas à liker, commenter, vous abonner pour ceux qui ne sont pas encore abonnés. Je compte vraiment sur vous. Donc voilà, je vais vous laisser sur cette fin de vidéo. C'était Pyromaster. Allez, ciao, ciao.